Dans la vidéo précédente, nous avons parlé d'un exemple où deux personnes ont décidé d'acheter une pizzeria. Et on avait vu que dans notre cas, l'ensemble des actifs inclus, inclus pardon, dans la pizzeria était identique et valait 100 000 euros. Mais bien que les actifs étaient identiques, nos deux entrepreneurs avaient décidé de financer leurs activités de manière différente. Le premier avait été plus conservateur et avait investi ses économies. Il avait donc tout acheté sur fonds propres c'est-à-dire sans emprunter d'argent. Donc dans son bilan, cela se traduisait par des capitaux propres qui sont égaux aux actifs. Il n'y a pas de dette. D'un autre côté, on avait dit que notre deuxième entrepreneuse avait moins de fonds propres, donc elle a décidé d'emprunter de l'argent à hauteur de 100 000 euros. À droite du bilan, on retrouvait donc cette dette ainsi que 10 000 euros de capitaux propres, parce qu'elle avait quand même un petit peu d'argent initialement. Cette différence de 10 000 euros entre les actifs et les passifs, avait été mis dans un compte en banque, donc dans une case liquidité. Maintenant, quand on allait regarder dans les comptes de résultats, on voyait que toutes les catégories jusqu'au résultat d'exploitation étaient identiques. Et c'est logique, parce que le résultat d'exploitation, c'est bien le résultat obtenu de l'utilisation des actifs utiles pour le fonctionnement du business. Donc ces actifs-là, qui étaient égaux à ces actifs-ci. Ensuite, tout ce qu'on retrouvait en dessous du résultat d'exploitation venait soit d'actifs hors exploitation, soit de la manière dont l'entreprise est financée. On avait vu dans le cas de notre deuxième entrepreneuse qu'elle possédait en effet des actifs financiers. Ici, c'est 10 000 euros qui sont 10 000 euros de liquidité qu'elle avait mis sur un compte en banque et celui-ci rapportait de l'argent. Elle avait donc des produits financiers qu'on avait notés là. Et on pouvait aussi trouver les intérêts ici en dessous. Donc les intérêts, c'est les coûts liés à l'emprunt, inexistant donc de ce côté-ci, et égaux à 2000 euros chez elle parce qu'elle avait emprunté 100 000 euros à un taux d'intérêt de 2%. Et ces résultats financiers et ces intérêts allaient avoir un impact sur le résultat avant impôt, donc sur le résultat net. Et finalement donc on observait une différence entre les deux entreprises. Et finalement on avait vu que lorsqu'on attribue un ratio prix-bénéfice, un ratio court-bénéfice identique à ces deux entreprises, on obtient un résultat qui n'a pas vraiment de sens. Et tu pourrais te dire que le fait d'avoir donné un ratio prix-bénéfice identique aux deux entreprises est la source de notre problème. Mais non, ces deux entreprises sont identiques, leur résultat d'exploitation aussi, et même si, la, si le résultat net pardon, est différent, si celui-ci est moins élevé, eh bien, j'ai parlé dans la vidéo précédente d'un effet levier. Eh bien, cet effet levier va faire que si le résultat d'exploitation des deux entreprises augmente du même montant, le résultat net de cette entreprise-ci augmentera plus vite. Donc, ce levier a de la valeur aussi, d'où mon choix de leur donner un même ratio prix bénéfice. Donc, on voit que leur donner un ratio identique a du sens. Mais ce qui n'a pas de sens, c'est que quand on fait ça, dans notre exemple. On avait donné un ratio de 10. Mais ce serait le cas avec n'importe quel ratio. Donc, si on leur donnait ce ratio prix-bénéfice de 10, on obtient une situation qui, au premier regard, peut sembler légitime. La valorisation boursière de cette première entreprise est de 210 000 euros si on applique ce ratio. Alors que celle de cette deuxième entreprise est de 203 000 euros si on applique ce même ratio. Jusque-là, il n'y avait pas de problème. Mais lorsqu'on remontait dans notre bilan, on se rendait compte que ce qu'on faisait réellement, c'est dire que les capitaux propres de cette entreprise-ci valaient 210 000 euros, alors que ceux de celle-ci valaient 203 000 euros. Et c'est là que le bas blesse. On dit donc que ces 100 000 euros valent, ont une valeur de 210 000 euros. Et donc en quelque sorte, on dit que ces actifs-ci, ces 110 000 euros-ci, valent 210 000 euros. Alors que chez notre deuxième entrepreneuse, son apport n'était que de 10 000 euros. Donc pour elle, ce sont ces 10 000 euros à qui on donne maintenant une valeur de 203 000 euros. Et ce à quoi on ajoute 100 000 euros de dette pour avoir la valeur de tous les actifs. Avec un même ratio prix-bénéfice pour les entreprises qui ne diffèrent que sur la façon dont elles ont financé leurs actifs, celles-ci ont donc une différence de valeur boursière trop importante. 210 000 euros pour celles-ci. Et 303 000 euros pour l'autre. En fait, 297 000 euros. Parce que pour comparer juste les actifs opérationnels, on doit retirer aussi ces 10 000 euros de liquidité. Mais le problème reste le même. Donc ce qu'on est en train de dire, c'est donc que tous ces actifs-ci valent 210 000 euros, alors que tout ceci. Qui je, qui, je le rappelle, pardon, sont complètement identiques. Hein. Les deux entreprises, les deux entrepreneurs ont acheté des actifs identiques. Mais on dit que ceux-ci valent 293 000 euros. Donc on arrive à une situation où on paye trop pour ces actifs-ci en comparaison à ceux-là. Mais donc on va se poser la question de ce qu'on fait. Quel autre ratio peut-on utiliser pour remplacer le ratio prix-bénéfice parce que oui, il faut quelque chose pour le remplacer. Ce ratio est une manière simple et rapide de comparer deux entreprises du point de vue de leur croissance. Mais ce ratio perd beaucoup d'informations liées à la façon dont ces entreprises sont financées. Et on avait vu que ça avait un gros impact sur nos conclusions. Avant de passer à la suite, je voulais rappeler que quand tu penses au prix d'une action, tu dois penser au fait que ce que tu achètes avec une action, c'est une partie de l'entreprise, une partie des actifs qui servent à faire fonctionner l'entreprise. Quand je parle de valeur de l'entreprise, je parle des actifs d'exploitation, ceux qui font tourner la maison. Dans une pizzeria, ça va être le four, le bâtiment, le pizzaiolo, la pâte, les ingrédients, même l'argent qui est dans la caisse, etc. Dans la valeur de l'entreprise, on ne devrait pas retrouver l'argent qui n'est pas utile au fonctionnement de cette entreprise. C'est 10 000 euros là. Donc, ça nous mène à la question suivante maintenant. Comment est-ce qu'on calcule la valeur d'une entreprise Donc on pourrait prendre le problème à l'envers et se dire, pour un prix d'une action donnée, combien est-ce que je paye réellement pour la valeur d'une entreprise Disons que donc, le, prix, le prix de clôture de l'entreprise A est de 20 euros. Donc 20 euros, et celui de l'entreprise B est de 10 euros. Les deux prix de clôture sont 20 euros et 10 euros. Ce sont donc les prix que le marché demande pour ses actions. Avec cette information-ci, et le bénéfice par action qu'on avait calculé ici au-dessus, on peut rapidement calculer notre ratio prix-bénéfice. Pour la première entreprise, il sera égal à 20 divisé par 2,1. Ce qui donnera environ... 9,5, un ratio prix-bénéfice de 9,5. Pour la seconde entreprise, on aura un ratio de 10 divisé par 2,03, donc un ratio prix-bénéfice d'environ 4,9. Presque 5. Et comme ce ratio-ci est moins élevé, on pourrait en conclure que l'entreprise est deux fois moins chère, donc que l'on voudrait acheter ces actions-ci mais on avait vu que ce ratio, lorsque les entreprises sont financées différemment, ne représente pas la réalité. Donc ce que je veux faire à la place, c'est de voir ce que ces prix d'achat des actions impliquent pour l'entreprise. Faisons donc ça maintenant. Premièrement, on cherche la capitalisation boursière. Donc la capitalisation boursière pour chacune des entreprises. Pour la première entreprise, on a un prix de 20 euros et on avait plus haut. Dit que chaque entreprise avait 10 000 actions. Donc la première aura une capitalisation boursière pardon, de 20 fois 10 000, ce qui fait 200 000 euros. Et la seconde de 10 euros maintenant, son cours actuel, 10 euros fois 10 000 actions toujours, ce qui fait 100 000 euros. Laisse-moi donc deux secondes pour redessiner les diagrammes, parce que si je continue à dessiner sur ce au-dessus, ça deviendra beaucoup trop brouillon. Donc on avait le premier pour qui les capitaux propres étaient l'entièreté des actifs. Il n'y avait donc pas de dette. Et donc pour lui, si maintenant le marché valorise ses capitaux propres, donc CP, à 200 000 euros, donc 200 000 euros, ça c'est ses capitaux propres, et eh bien ça voudrait dire qu'il donne une valeur à ses actifs de ce côté-ci, les actifs, les actifs d'exploitation, donc effectivement utiles pour le fonctionnement de l'entreprise, et donc ses actifs... Serait égaux aussi à 200 000 euros. Et donc, à un prix d'achat de 20 euros, ce que le marché dit, c'est que la valeur de l'entreprise, notons VE, la valeur d'entreprise, donc ce que les actifs de l'entreprise valent, et donc le montant que je devrais débourser pour racheter, eh bien, c'est 200 000 euros aussi. La valeur d'entreprise est de 200 000 euros. Dans notre deuxième cas, le marché disait que les capitaux propres de cette seconde entreprise valaient 100 000 euros. Sa capitalisation boursière, pardon, est donc de 100 000 euros. Mais cette entreprise a également des dettes, donc les capitaux propres ne sont pas tout ce qui se trouve à droite du diagramme, à droite du bilan. Donc on peut dessiner les capitaux propres (CP) qui valent 100 000 euros. Donc CP qui valent 100 000 euros. Et avec ceci, il y avait des dettes. Donc les dettes ici en dessous pour 100 000 euros. Pour un montant de 100 000 euros aussi. 100 000 euros de dettes. Et qu'est-ce que ça signifie pour les actifs Eh bien, on se souvient qu'on avait dit que les actifs étaient égaux aux dettes plus aux capitaux propres. Donc les actifs, dans ce cas-ci, seraient égaux à 100 000 plus 100 000. Donc 200 000 euros. 200 000 euros également. Mais attention on a dit que la valeur de l'entreprise était la valeur des actifs d'exploitation. Or, ici, on a pris en compte tous nos actifs. Il y avait en effet 10 000 euros d'actifs financiers, des liquidités par exemple, qui allaient être placées. La valeur de cette entreprise, des actifs d'exploitation de cette entreprise, est donc de 190 000 euros. 190 000 euros. Et déjà là, on peut voir que lorsqu'on se basait sur le ratio prix-bénéfice, on avait l'impression que l'entreprise B, ici, était presque 50% moins cher. Alors que quand on regarde la valeur de l'entreprise, on se rend compte que celle-ci n'est en fait que 5% moins chère. 10 000 euros, c'est en effet 5% de 200 000 euros. Donc pour résumer tout ceci, on peut retirer la formule simple que tu retrouveras souvent dans les livres de finances. La valeur de l'entreprise, donc VE, est égale à la capitalisation boursière, cap boursière, capitalisation boursière, plus les dettes, moins les liquidités. Et ça peut te sembler bizarre, pourquoi est-ce qu'on doit ajouter les dettes Les dettes ne sont-elles pas quelque chose de négatif Et pourquoi est-ce qu'il faut enlever les, li les liquidités, l'argent qu'on a Est-ce que ça n'a pas de la valeur pour mon entreprise Eh bien la raison pour laquelle il faut enlever les liquidités, Liquidités qui ne sont pas utiles au fonctionnement de l'entreprise. La raison pour laquelle on retire les liquidités, c'est justement pour la raison dont on vient de parler. Parce qu'on veut que la valeur de l'entreprise ne représente que les actifs qui sont nécessaires au fonctionnement de l'entreprise. Que les actifs qui génèrent du profit pour l'entreprise en tant que tel. Et ce profit, c'est bien le profit d'exploitation, le résultat d'exploitation. C'est 10 000 euros si. Ne sont pas utiles à la fabrication ni à la vente de pizza. Ils n'ont pas d'impact sur le résultat opérationnel. Maintenant, parlons des dettes. Pourquoi ajouter les dettes Si tu voulais acheter cette entreprise, si tu voulais acheter tous ces actifs-ci, au prix du marché, eh bien, comment ferais-tu Eh bien, tu devrais avoir 200 000 euros. Avec 200 000 euros, tu pourrais payer les propriétaires de l'entreprise 100 000 euros, donc des capitaux propres. Parce que, je le rappelle, ce que les propriétaires, les actionnaires de l'entreprise possèdent réellement, ce sont les capitaux propres. Et ensuite, tu aurais besoin de 100 000 euros également pour racheter les dettes de l'entreprise, pour rembourser la banque par exemple. Donc en payant 200 000 euros, tu posséderais tout ceci. Ça serait donc tes capitaux propres à toi, parce que tu aurais remboursé toutes les dettes et payé les propriétaires d'avant. Et ensuite... Si tu le voulais, tu pourrais récupérer les liquidités ici, parce que c'est désormais, elles t'appartiennent aussi. Mais donc, tu aurais payé 200 000 euros, ce qui représente les capitaux propres plus les dettes. Et ensuite, tu pourrais récupérer les liquidités. Tu aurais donc payé 190 000 euros pour posséder cette entreprise, posséder ses actifs opérationnels, donc sa valeur. Donc, jusque-là, on est parti du prix de l'action pour calculer. La capitalisation boursière et ensuite trouver la valeur de l'entreprise. Et si nous voulions faire l'inverse maintenant, donc partir de ce que la valeur de l'entreprise devrait être pour en déduire ce que le prix de l'action devrait être Pour faire cela, il y a deux chiffres, deux concepts desquels nous pouvons partir. Le premier, c'est l'EBIT d'IA. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est le sujet d'une vidéo à part entière, mais souviens-toi de l'EBIT. L'EBIT était le Earning before interest and taxes. Donc, le résultat avant intérêt et taxes. Eh bien, dans l'EBITDA, ça sera le même début, mais cette fois-ci, on ne va pas non plus tenir compte des dépréciations et amortissements. C'est donc le résultat avant intérêt, avant impôt, mais également avant dépréciation et amortissement. Un ratio qui est très populaire est celui de la valeur d'entreprise divisé par l'EBITDA. Mais je parlerai de ça dans une prochaine vidéo. Mais donc pour le moment, basons-nous sur le résultat de l'activité de l'entreprise. Donc le résultat d'exploitation qui, dans un cas comme dans l'autre, est égal à 30 000 euros ici. Et à ceci, on peut y associer un ratio qui est valeur d'entreprise, le ratio de la valeur d'entreprise, divisé par le résultat d'exploitation. Donc VE divisé par résultat d'exploitation, RES d'exploitation. Ici je raccourcis. Et on expliquera un petit peu ce ratio dans la vidéo suivante. Mais estimons ici que ce ratio est égal à 6. Ça voudrait dire que la valeur de mon entreprise, donc VE, de mes entreprises en fait, parce qu'elles ont les mêmes résultats d'exploitation, qui étaient égaux à 30 000 pour l'une et 30 000 pour l'autre. Mais donc le ratio pour l'une et l'autre sont égaux, et sont tous les deux égaux à 6. Mais donc la valeur, la valeur d'entreprise, avec ces deux données-ci, on peut la trouver et elle serait égale à 6 fois 30 000, 30 000 euros, ce qui fait 180 000 euros. Pour la première entreprise, si je dis que la valeur de son entreprise est égale à 180 000 euros, je dis que tout ceci, tous les capitaux propres, tous ces capitaux propres sont égaux. À 180 000 euros parce qu'il n'y a ni dette ni actif financiers. donc la capitalisation boursière donc cap bourse devrait être égale à 180 000 euros aussi donc, 180 000 euros et on avait dit ici en dessous que l'entreprise avait émis 10 000 actions donc le prix d'une action devrait être de 180 000 divisé par 10 000 donc 18 euros 18 euros par action. Pour la seconde entreprise, maintenant, la situation est différente. La valeur de l'entreprise est identique, 180 000 euros. Donc, tout ceci, les actifs d'exploitation, devraient avoir une valeur de 180 000 euros. Mais ce ne sont pas tous ces actifs. Ces actifs sont égaux à 180 000 euros plus 10 000 euros, 10 000 d'actifs financiers. Donc, 180 K plus... 10K, 10K des actifs financiers. Et à partir de là, si on veut connaître les capitaux propres, en fait la capitalisation boursière ici, on doit soustraire toute cette partie ici, toutes les dettes de notre résultat. Donc la capitalisation boursière, cap bourse, est égale à 180 000 plus 10 000 moins les dettes, moins 100 000. 180K plus 10K moins 100K. Donc il reste 90 000 euros, 90K euros. Et de là, étant donné qu'on sait que l'entreprise a également émis 10 000 actions, le prix par action, donc le prix serait égal à 90 000 divisé par 10 000, donc égal à 9 euros par action. Donc avec les données que nous avons, en estimant que la valeur des deux entreprises est identique, on sera prêt à payer 18 euros pour une action de cette entreprise-ci et 9 euros seulement pour une action de cette entreprise-là. On verra plus tard que d'autres choses peuvent être prises en compte, comme le levier qu'une dette peut avoir sur un résultat qui augmente, les risques que ça implique, etc. Mais pour le moment, notre conclusion est celle-ci.